nous ont eu les années précédentes. Voici un monsieur qui a créé une rébellion. Il a éventré nos parents, il a éventré nos familles, il a endeuillé la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il se comporte. Je ne veux pas employer le thème. Et ils viennent. Non, je veux la réconciliation. Et il nous parle des élections de 2025. Guillaume Soro n'a effectivement aucun problème avec la réconciliation des Ivoiriens ou pas. Guillaume Soro, l'ancien rebelle, est dans un jeu. Lui, pour lui, c'est le pouvoir ou rien. Sinon, à l'âge de 30 ans où il avait pris les armes, Guillaume Soro avait quoi? Si ce n'est pas le pouvoir, l'argent. Si ce n'est pas à cause de l'argent, il nous a tués, il nous a endeuillés. Il est venu nous imposer Draman. Draman est en train de nous endeuiller. Maintenant, il veut se réconcilier en devenant président pour venir encore continuer la démarche. Sinon, de vous à moi, Guillaume Soro n'a pas volé un animal ou bien d'un Ivoirien, mais il y a eu le sang versé. Pour le respect de ce sang versé, sa préoccupation ne doit pas être les élections. La préoccupation de Guillaume Soro et de GPS ne doit pas être les élections. Non, et le sang qu'ils ont versé. Et ces hommes qui sont morts, la Côte d'Ivoire qui a été éventrée. Guillaume Soro va venir nous parler de la réconciliation. Parlant de réconciliation, en même temps, il nous parle de 2025. Les élections en 2025, c'est bien dommage. Mais nous, le peuple, nous ne sommes pas stupides. Ces politiciens, nous sommes en train de les regarder. Nous les connaissons tous. Que ce soit le RBR, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Blaise Boudé, que ce soit qui que ce soit en Côte d'Ivoire, le peuple connaît le jeu de chacun d'eux. Même Thiam, que la France est en train de positionner, nous avons déjà les dossiers. Qui le sache, l'Afrique d'hier n'est plus aujourd'hui. Quand nous avons instruit, nous avons été à l'université de Panakani, nous avons été à l'université de Foyou, nous avons été à l'université de Bafedom, nous avons été à l'université des Panafricains vivants que nous avons vécu. C'est plus ce dont on nous a écrit dans les livres. Lorsque je veux parler de Kwame Nkrumah, je veux parler de Lumumba. Non, Bafedom est vivant. Nous avons été à son université. Nous sommes instruits. Nous n'allons plus laisser l'Afrique. Nous n'allons plus laisser l'Afrique dirigée par un Africain qui a le cœur d'un plan. C'est fini tout cela. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci à vous, Banda Kadi et Emmanuel, depuis le Canada, c'est du côté du nord des États-Unis. Merci à vous pour votre contribution ce soir dans le cadre de cette émission. Un autre appelant ce soir. Bonsoir à vous. On vous appelle comment? Oui, c'est M. Sidik qui revient. Il y avait eu la connexion qui ne marchait pas. Maintenant, je vois bien. Bonsoir à notre papa, patient, parfait, d'homme. Bonsoir à monsieur Tapé Gossissi Baba Nicolo, mes respects. Vous savez, monsieur Nguéné, il y a un proverbe de chez moi qui dit « Un lézard dévergondé ne retrouve le chemin de son trou que lorsqu'on commence par lui couper la queue. » Le président Alassane Dramane Ouattara a suivi avec grand intérêt les visites tout azimuts de Guillaume Kigbafori Soro au niveau de l'Est. Alassane Dramane Ouattara a suivi avec grand intérêt sourd tout sourd et la main de Guébouché, Laurent Koudou Gbagbo. Alassane Ouattara a suivi avec ce qui s'est passé de l'autre côté. Je vous en prie, avec la pandémie de coup d'État, il n'en faut pas beaucoup pour qu'ils comprennent que ça c'était au pantin. Le travail que passait et les siens ont commencé avant que nous autres jeunes, on ne comprenne. C'est un travail de longue haleine. Mais aujourd'hui, ils vont se reposer. Nous allons prendre la relève. C'est un travail de fourmi. Mais aujourd'hui, ils seront fiers de nous voir, être formés par eux. C'est un panafricanisme auquel on ne peut pas résister. Parce que c'est le vrai Dieu qui veille sur ça. Alors, Dramane Ouattara, il a fini. Il a fini. La géopolitique ici, que nous sommes en train de, dont nous sommes en train de débattre, c'est un système qu'on veut combattre. Guillaume Kigbafori Soro, c'est un élément dans le système. On veut finir avec un système. Et le système, c'est la France-Afrique qui est gérée par la France et les États-Unis. Parce que ce sont des coursiers, hein, la France est la coursière des États-Unis. Donc on veut finir avec un système, le système occidental ici, il faut d'abord taire les petites querelles. Certes, Guillaume Kigbafori Soro a créé des mécontents. Il a fait beaucoup de choses. Mais pour l'heure, là où nous sommes là, il faut que Ouattara dégage. Après, on va résoudre les autres problèmes. Mais pour l'heure, il faut que Ouattara dégage. Et la seule personne, je dis bien, comme je l'ai répété ici, au moment où Soro était allé au Niger, la seule personne qui peut faire dégager Alassane Dramane Ouattara, c'est Soro. Parce que Soro, lui, il a été toujours clair. On ne prend pas le pouvoir par la démocratie, non. Ce n'est pas les hommes. Ouattara sait que Soro est capable. Voilà pourquoi aujourd'hui, qu'on appelle les verbiages de prophète, il est en train de jouer avec la France en pensant que la Côte d'Ivoire ne va pas tomber. Mais nous, on peut quoi ça, la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest? On ne peut rien. C'est la Côte d'Ivoire, nous, notre poumon. Même les Sénégal, dont on crie partout, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit revenir dans le giron de l'AES. Regardez ce que Alassane Ouattara allait faire. Merci à vous, monsieur Sidi. Du village frontalier avec le Burkina Faso. Voilà. Bombardé. Merci. Il a enlevé les soldats là, les VDP.
Donc je ne veux pas trop monopoliser la parole. Mm. Je vais aussi laisser la parole aux autres. For You Television and Not of the World. Mm. C'est Dieu qui est fort. Merci à vous, M. Sidi. Et nous rappelons d'ailleurs que sur For You Media Africa, nous ne faisons pas l'apologie de la prise du pouvoir par les armes. Merci à vous, M. Sidi, pour votre contribution. Zerfel nous a rejoint. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, Zerfel. Bonsoir à vous et bienvenue. Allô. Oui, bonsoir et bienvenue. Allô. Oui, monsieur, bonsoir. Allô. À vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné. Mm. Bonsoir, Pafendom. Bonsoir, monsieur Goubera. J'appelle de la France, c'est Marc. Je voudrais, en tout cas, rebondir sur le sujet de ce soir pour dire que monsieur Alassane Dramane Ouattara a pris, disons la vérité, allons tout droit au but. Il a pris le pouvoir par les armes en utilisant monsieur Guillaume Soro, qui était son filleul. Monsieur Guillaume Soro était le mentor. Était le filleul de M. Alassane Ouattara, qui était le mentor de toutes ces grandes tueries qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire à partir du 19 septembre 2002 jusqu'au 10 avril 2011. Tout ce qui s'est passé, c'est M. Guillaume Soro qui était à la base, c'est M. Alassane Ouattara qui était le commanditeur de tout ça. Ben, disons la vérité, ces deux-là, sur le plan politique, ils sont morts. Nous, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, que ce soit Ivoirien adoptif ou Ivoirien né en Côte d'Ivoire, tout. Nous ne voulons plus de ces gens-là à la tête de notre État. Ce qui s'est passé au Sénégal nous montre réellement ce qui doit être fait. Monsieur Sonko, aujourd'hui, pourquoi est-il adoubé par les Sénégalais? Parce qu'il n'a pas pris les armes pour venir au pouvoir malgré tout cela. Monsieur Guillaume Soro, c'est le karma qui est en train de tomber sur lui pour tout ce qu'il a fait. Moi, je ne vois pas un Ivoirien qui est un vrai Ivoirien permettre que M. Guillaume Soro revienne au pouvoir. Même que ce soit les jeunes générations qui viennent actuelles, M. Guillaume Soro, il est complètement balayé. Ça, il faut qu'on le dise. Même s'ils vont se battre pour entre rebelles, pour s'entretuer, ça, ce n'est pas notre problème. Nous ne voulons pas cela. Je vois que le président Laurent Gbagbo cherche à sauver M. Guillaume Soro sur le plan politique. Mais en cela, ce n'est pas parce que c'est un homme, parce que c'est un Ivoirien. M. Gbagbo était son mentor sur le plan syndical et même au début de sa politique. Mais aller prendre des armes pour tuer ses propres frères, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, je voudrais m'arrêter là et continuer votre débat. Mais M. Guillaume Soro, M. Alassane Ouattara n'ont pas fait du bien à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut, disons la vérité. Et tous ceux qui le suivent, même s'ils vont chercher autre chose, nous, on n'en veut pas. La démocratie, ça commence d'abord par l'état de droit et la justice, les deux. Il faut ces deux points-là d'abord. Et nous, c'est pas parce que M. Guillaume Soro a parle de politique qu'aujourd'hui nous allons l'accepter en Côte d'Ivoire. Non, mais il faut la justice. Nous ne pouvons pas passer, en tout cas, balayer tout cela de revers de la main pour dire qu'à cause de la réconciliation, nous ne voulons pas de justice, rien, et que tous ceux qui sont morts là, on va laisser tomber. Non. M. Guillaume Soro prendra, en tout cas, la responsabilité est devant la justice, devant la nation, devant les frères, ses frères. Pourquoi a-t-il pris les armes avec M. Ouattara pour nous tuer? Ça, il faut qu'on lui dise. Merci. Marc, depuis la France. Zerfel, en Allemagne, vous êtes également avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Ok, bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à mes deux confrères qui sont de l'autre côté des caméras. Vraiment, les autres qui m'ont précédé, ils ont tout dit, mais moi, je vais dire quelque chose. Parce que ce monsieur, quand j'entends son nom, c'est comme si on a mis de la cire sur moi, quoi. Il parle de Soro. Parce que, et pour lui aujourd'hui, parce qu'on a nommé Premier ministre, il pense qu'il a le droit d'être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Non! Parce qu'on a fait cela pour que, c'est que tu es envoyé en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse calmer cela. Donc, ne prends pas ça pour faire chose comme j'ai un drapeau pour brandir cela partout où tu te trouves. J'ai été premier ministre sous les contraintes de tes armes. Cela ne veut pas dire que toi, aujourd'hui, tu es un politicien. Ta politique, aujourd'hui, c'est de prendre des armes et puis tuer des gens pour que tu sois là. Et déjà que tu as tué des gens, et c'est toi qui ne sais pas te calmer, et c'est toi qui veux te montrer aux yeux de tout le monde. Parce que les supporters de Soro, ils peuvent applaudir. Mais moi, tout ce que les gens sont en train de dire, là, c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas tuer des gens et puis taper la patrie pour dire que tu vas venir. Hein, la plaie n'est pas encore guérie et puis tu dis que tu vas venir te t'asseoir sur leur plaie pour remuer encore le couteau dans leur plaie. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait la politique, on réfléchit. Et regarde maintenant, parce que quand tu vois les jeunes aujourd'hui qui sont là, l'exemple au Sénégal, les deux jeunes là, ils ont fait la prison. Eux, lui, il n'a jamais fait la prison. Mais ces jeunes, ils ont fait la prison. Mais ils n'ont pas pris les armes comme contre ceux qui étaient au pouvoir, qui les ont mis en prison. Ni fait ceux comme ancien. Le contraire. Et Macky Sall qui était là, c'est lui-même qui a tué les jeunes. Alors, c'est la même chose que les deux personnalités, comme Guillaume et puis Dramane, c'est ce qu'ils ont tué. Comme disait le fouet tout à l'heure, ils n'ont pas de droit. Mais c'est leur droit de se présenter. Mais ce qui est là aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces gars-là. Parce qu'ils n'ont pas de programme. Leur programme aujourd'hui,
cessent de se mettre ensemble encore et puis venir faire la bêtise qu'ils ont commis avant. Alors pour moi, les téléphonades de Chou de Guillaume Soro avec Alassane, moi je n'ai rien à foutre avec ça. Je n'ai rien à foutre parce que ça ne signifie rien, ça n'ajoute rien à la vie des Ivoiriens, ni au développement de la Côte d'Ivoire. Alors donc moi, ce qui est là aujourd'hui, il faut que ces gars-là se mettent à l'égard et Guillaume Soro, les supporters de Guillaume Soro, qui lui conseille encore de réfléchir avant de parler de la politique. Merci. Merci à vous, Galosseli. Zerfel, nous prenons à l'instant Galosseli qui nous a également rejoint. Bonsoir à vous et bienvenue. Allô, est-ce que vous êtes là, Galosseli? Bonsoir et bienvenue. Alors, on fait quoi, la réalisation? Est-ce qu'on le prend finalement? Et s'il n'est pas prêt, on essaie de prendre quelqu'un d'autre rapidement autour justement de cette première thématique de ce soir, l'échange téléphonique entre le président ivoirien Alassane Ouattara et bien sûr l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Allô, bonsoir, ouais, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Allô. Ok, moi je suis Richard Dauban, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Ok, je voulais participer sur la fête de la Côte d'Ivoire. À mon avis, si on veut... Allô? Oui, nous recevons okay, Richard, si allez-y. Si je veux parler allez-y de la Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, si ce président actuel qui est là, si il est tout le temps là... Je pense que on vit la peur, on ne vit pas la paix. Vous voyez? Allô? Oui, Richard, n'attendez pas un retour de l'autre côté, allez-y. Ok, donc ici en Côte d'Ivoire, nous vivons la peur, on ne vit pas la paix. Donc, pour celui qui est venu avec les armes au pouvoir, qui ne veut pas céder, qui ne veut pas vraiment la réconciliation exacte, vraiment, je pense que avec la multitude des personnes qui ont pris vraiment la Côte d'Ivoire en otage là, je ne pense pas que si ce n'est pas Dieu, vraiment, ça serait difficile pour nous, les Ivoiriens, pour s'en sortir. Voilà un peu mon point de vue. Merci à vous, Richard, depuis la Côte d'Ivoire. Cette fois, je pense que c'est le signal a été établi entre Galosseli et nous. Bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Nguyen. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Forum. Bonsoir également à tous vos panélistes. Vraiment, ils nous donnent du courage. Si nous sommes dans cette bataille, c'est parce qu'on voit qu'ils ne vont jamais baisser les bras. Merci beaucoup, monsieur l'homme. Une fois cela dit, ça fait longtemps que je ne peux pas appeler parce que c'est quelque difficile. Mais quand on évoque le président Gbagbo, je me dois de faire l'effort de venir donner mon grain de sable ou bien mon grain de sel dans cette sauce. Monsieur Nguyen, tout ce que nous voyons en Afrique de l'Ouest aujourd'hui sont des résultats du travail qu'a fait Laurent Gbagbo. Parce qu'on a vu que le président Gbagbo a tout fait pour se soustraire l'influence française. Il a fait beaucoup d'erreurs pendant cette opération, mais ces erreurs, les Goïta, les Traoré, les Tiani sont en train de contourner pour maintenir l'AES là où il est aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo avait compris qu'il fallait laisser la France de côté, mais au lieu d'aller vers la Russie, il est allé vers les Biélorusses. Et c'était ça l'erreur, parce que les Biélorusses n'étaient que des satellites. Ils n'ont pas pu, c'est des gens très corrompus, je crois qu'il y avait même des Ukrainiens parmi. Donc on ne peut pas, c'est pour ça que parfois on dit le président Laurent Gbagbo est responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pas responsable volontaire, mais plutôt par humanisme. Parce que le président Laurent Gbagbo connaît, il était le seul politicien qui connaissait très bien Ouattara. Il savait que cet homme-ci est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, tous les jeunes à qui parlait Laurent Gbagbo à l'époque sont tous morts. Les plus chanceux sont en prison et d'autres en exil, exactement comme il avait prédit. Tous ces jeunes-là qui ont combattu pour Ouattara, où sont-ils? Il n'y a aucun à côté de lui aujourd'hui. Il est avec ces groupes de bandits qu'il avait traîné avec pour sa valise. Mais ceux qui sont battus pour Gbagbo ont été tous éliminés. Les Ouattara, les Ibé, les Nyamsi, Wa Cameroun, tous ces gens-là, ils sont tous en exil. Donc le président Laurent Gbagbo avait vu juste. Si c'était un homme, je veux dire, si c'était quelqu'un qui n'avait pas d'humanisme, il avait tué Ouattara, la Côte d'Ivoire n'aurait pas plongé dans ces moments sombres. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander au président Laurent Gbagbo. C'est un humaniste. C'est pour ça que j'ai appelé. Pour dire que s'il avait été un homme méchant ou bien un chef d'État crève, pragmatique, il aurait éliminé Ouattara et la Côte d'Ivoire serait sur d'autres rails aujourd'hui. Mais il a laissé faire la nature et nous voilà où nous sommes. Mais pour ceux qui parlent de Soro que vous voyez là, cet homme-là s'est levé un matin en nous disant « J'offre mon pardon aux Ivoiriens ». Mais monsieur Ndom, vous qui êtes allé longtemps à l'école là, expliquez-nous ça. Qu'est-ce que ça veut dire « J'offre mon pardon aux Ivoiriens »
Si vous ne connaissez pas cet homme-là, je vous dis, l'homme-là, depuis longtemps, on ne sait pas là où il est. Il était en France. On nous racontait que la France n'a pas voulu de lui. C'est faux. Il était en France. Et si la France l'a fait débarquer en Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'elle voit que la situation est compliquée. Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur Nguéné. Juste pour vous dire, quand il s'agit de président Laurent Gbagbo, je fais tout. Venez prêter ma langue au débat. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Gallo Sely. On va prendre Jean Sarpono depuis les États-Unis. Bonsoir à vous, monsieur Sarpono. Bonsoir, mon frère Nguéné. Bonsoir aux invités. Bonsoir, technicien. Monsieur Nguéné, c'est vrai que vous faites. Oui, vous voyez le communiqué qui résulte de l'appel téléphonique entre Guillaume Soro et Ouattara, ne nous dit rien de tout ce qui s'est dit. Alors, vous vous souvenez de ce que Guillaume avait dit à Ouattara, qui va le faire soit pour le conseiller ou bien pour l'enseigner. Donc, s'il s'appelle aujourd'hui, ça c'est entre eux. Le fond de leur entretien n'a pas été révélé. Nous, on s'en fout de cela, que Guillaume devienne président en Côte d'Ivoire. Si c'est les morts qui vont le voter, ils n'ont qu'à le voter, peu nous importe. Mais ce qui nous importe, c'est que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit libérée. La Côte d'Ivoire soit libérée, c'est le débat de la France. C'est la France qui a organisé ce débat en Côte d'Ivoire. C'est la France qui a bombardé la présidence ivoirienne. C'est la France qui continue toujours de semer la zizanie entre les familles en Côte d'Ivoire et dans les pays en Afrique, tels que le Togo, le Gabon et autres. C'est la France. Vous voyez, aujourd'hui, la France doit payer les dommages qu'elle a causés aux Africains. Alors, elle pense changer de méthode. Ouais, c'est vrai ce qui se passe au Togo, non? On veut faire n'importe quoi, mais ce qui doit arriver, doit arriver. Ce que nous importe aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens chassent la France de la Côte d'Ivoire. C'est tout, hein, monsieur Gré. Que les Ivoiriens chassent l'ennemi, le maudit de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Les Ivoiriens vont s'asseoir entre eux. Faut comprendre. Même si Guillaume Soro, aujourd'hui, ou bien même si Ouattara et ses consorts ne sont pas là, la France va toujours trouver des gens pour faire son jeu. Alors il faudrait que l'ennemi dégage le pays, dégage la maison. Qu'est-ce que les armées françaises cherchent en Côte d'Ivoire? C'est quelle injustice, ça? Merci. Comme en guerre, que Dieu vous bénisse. Jean Sarpono, que Dieu vous bénisse également, mon très cher frère. On va évoluer dans le cadre de cette émission du point sur l'actualité, forcément en restant au standard. On va faire plaisir, passer en parfum d'homme Sylvain Bogou au maximum de téléspectateurs possible, ceux qui voudraient d'ailleurs réagir sur la thématique ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Oui, je m'appelle monsieur François, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Non, monsieur François, bienvenue à vous. Salut à vous, monsieur Nguéné, salut à vous, monsieur Parfait Ngom, et salut mon frère Tapé Goubira. En fait, je suis un jeune Ivoirien, j'appelle du Sud Comoré, précisément d'Abouakasso. Ce que se passe entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara est une comédie politique, une vraie comédie. En fait, Alassane veut se saisir de Soro pour avoir encore des bétails électoraux. Voilà, c'est une perfidie en matière de militaire. Il veut se servir de Soro seulement. Sinon, je parie que si Soro arrive ici en Côte d'Ivoire demain, Soro va se retrouver en prison. Il n'y a rien à faire. Ce monsieur est un monsieur très, 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 très orgueilleux. Il est orgueilleux, il est méchant de cœur. C'est un monsieur qui ne sait pas pardonner. Je prends un simple exemple. Avant qu'il n'arrive à cette présidence, son troisième mandat, qui le monsieur a payé? Kakabé. Et lorsqu'il a fini d'utiliser Kakabé, il a fait semblant de donner un poste qui n'a même pas sa valeur en Côte d'Ivoire. Kakabé a exercé ce poste pendant un an et quelques temps. Mais aujourd'hui, est-ce que Kakabé est encore ministre? Ce monsieur se sert des gens pour avoir ce qu'il cherche et après il rejette. Sinon, moi je dis que si Soro arrive même à la veille des élections en Côte d'Ivoire, Soro va se retrouver en prison. Parce que ce monsieur est un dictateur. C'est ma participation. Merci monsieur. Merci pour votre contribution. Un autre appelant forcément, on enchaîne rapidement avant de retrouver nos invités. Allô, bonsoir et bienvenue. Est-ce que vous nous recevez? Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Ah, il est... Allô? Les aléas du direct. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Guéné. Oui. Oui, je m'appelle André depuis la ville de Bafoussam. Oui, monsieur Guéné, permettez-moi de saluer vos invités. Oui, je vais saluer comme ça, papa Passendon. Allez-y, André. Là, je ne veux pas plaire beaucoup à la Côte d'Ivoire, mais je pense que la Côte d'Ivoire doit à Gbagbo encore un mandat. Et si malgré les erreurs géopolitiques qu'a causé Laurent Gbagbo, c'était pour sauver la Côte d'Ivoire et libérer la Côte d'Ivoire du joug américano-occidental.
griffe là. Et il est revenu en Côte d'Ivoire et je pense que la Côte d'Ivoire lui doit cela. Ce mandat là, la Côte d'Ivoire doit le donner à son excellence monsieur Dieu. C'est très 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 troublé au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut lancer Guillaume Soro à la rescousse de M. Alassane Dramane Ouattara. Ils vont tout faire pour pouvoir placer. Je vais donc rappeler à la population ivoirienne que, peuple ivoirien, sachez que l'esclave qui ne peut pas assurer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et retenez ceci que toute révolution est toujours douloureuse. Et si vous allez dire que on va vous. Durant toute une vie, si vous ne vous levez pas. Parce que j'étais ahurissant quand j'ai vu la Côte d'Ivoire qui est premier producteur du cacao, où on est en train de brider son cacao dans le marché mondial, alors que les pauvres paysans de la Côte d'Ivoire n'en bénéficient de rien. On nous fait croire qu'on a augmenté le prix du cacao de 50%, alors que c'est du pourri de. On va essayer d'avancer. Problème de réseau. Allô. Avec André qui nous appelait depuis la ville de Bafoussam, un autre appelant qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous appelle comment? C'est monsieur Boufi. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Je voulais revenir sur le cas de Soro un peu. Ne voulez pas que Soro vienne ici pour nous amener. Voilà, ne foutez pas qu'il vienne ici. Mais parce que nous avons eu assez de problèmes avec Soro Dion. Pas beau chercher la réconciliation, il a pu Soro Dion pour ses premiers ministres. Et on a vu ce qu'il a créé. On a vu ce qui s'est passé. Finish, il a tourné tôt à Laurent Gbagbo. Et il est parti sur le camp du Alassane Ouattara. Et il a été président de l'Assemblée nationale. Lui, avec son président, ils ne sont pas attendus, il est allé à l'exil. Et s'il vient, c'est pourquoi encore? Nous ne voulons pas avoir du sang coulé en Côte d'Ivoire. Pour le moment, on a assez de problèmes pour régler avec la Côte d'Ivoire. Donc, le cas Soro, il n'a qu'à rester où il est. On ne veut pas avoir le problème de Soro en Côte d'Ivoire. C'était ma participation, je vous remercie. Merci à vous, c'était le dernier. On fait un dernier tour de table rapide. Sylvain de Bogou, pour sortir, vous avez suivi les réactions des téléspectateurs. Tous ne semblent clairement pas emballés par un retour de Guillaume Soro du côté de la Côte d'Ivoire. Quand je dis tous, c'est un peu peut-être exagéré, mais la majorité d'ailleurs, Sylvain de Bogou, ne semble pas trop emballé un retour avec justement un retour de Guillaume Soro du côté de la Côte d'Ivoire. Alors pour sortir de l'émission, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre au final, Sylvain de Bogou, calcul politique, processus de réconciliation, dialogue, on renoue finalement, les deux hommes politiques d'ailleurs qui renouent avec le dialogue aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait se dire au sortir de cette émission? Oui, ce contact téléphonique est surtout accompagné des calculs politiques. C'est simplement le résultat d'un calcul politique. Et Soro Dion a toujours accompagné ce qu'il appelle pardon, ce qu'il appelle excuse aux Ivoiriens de son intention d'être candidat. Et c'est ce qui force le débat, c'est ce qui démontre que Soro Dion n'est pas sincère dans tout ce qu'il veut faire. Parce que quelqu'un que tu as, je dirais, offensé, cette personne n'a pas encore pleuré, cette personne n'a pas encore compris pourquoi tu l'as offensé, cette personne n'a pas encore été dédommagée et ou bien ne t'a pas encore accordé son pardon et tout de suite lui dit « pardonne-moi, je vais être ton nouveau chef ». Il n'y a pas de sincérité. Soro Dion et ses compagnons et tous ceux qui l'embrassent, je pense que doivent lui donner des conseils parce que Soro Dion, je dis, il est venu au pouvoir avec une Kalachnikov et donc il n'a pas fait d'analyse, il n'a pas fait d'école proprement dite de politique. Soro Dion, il est un syndicaliste de la FECI où nous avons tous milité et donc il est arrivé en cascadeur pour prendre le pouvoir et c'est tout. Nous disons que Soro Dion doit comprendre que la politique, il faut de la patience, il faut de l'humilité surtout, vraiment de l'humilité, pour que le peuple t'accepte avant de diriger ce peuple-là. Merci à vous Sylvain de Bogou en direct de Londres.